Hey, on se retrouve aujourd'hui pour dans la caste dungeon la dernière fois. On s'est un peu fait chier, on a fait le con aussi. Aujourd'hui, on va XP un peu ses gars pour pouvoir enfin commencer à attaquer le boss. Parce que je vais en finir ici pour ce que mes gars niveau 3 pour qu'ils puissent faire des missions correctes pour ramasser un max de thunes. Donc, allons dans la ruine. Et parce qu'on sait qu'on va arriver niveau 3 à un moment donné. Donc, pour avoir ça aussi. Je vais même prendre le jester, j'aime bien ce type là. Bien sûr, mon tenuteur très efficace. Mais. Je n'ai pas encore de jester dans ma team, donc s'il ne meurt pas, je veux bien le conserver. Donc pour monter niveau 6 et puis pour vous montrer ce qu'il peut faire, parce que je pense pas qu'il soit useless, contrairement à ce que certains disent, mais il peut être bon, donc je veux se mettre en avant pour vous le prouver. Enfin, j'espère qu'il est bon, sinon moi j'ai l'argon et je peux pas m'occuper aussi. Bien, c'est medium, c'est en l'air win, donc ok. Oh, c'est une team de nuit ça, hein. Ah mais c'est dangereux aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai un heal? Jester ou pas? Non, je m'en fous. Là, je veux passer niveau 2 assez vite. Et attention, j'ai un feu. Et le feu va me virer ma torche. Donc, de toute façon... J'en prends beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il va m'attendre. Si mes gars sont pas assez présents avec le niveau 0 qui m'accompagne, bah ça risque d'être chiant. Surtout que lui il a beaucoup de saignements. Et c'est une zone où il y a beaucoup de morts vivants. Donc seulement est pas efficace du tout. Donc lui en termes de dégâts, non. Je pense qu'il y a principalement assez d'ailleurs pour pouvoir buffer les coéquipiers. Oh, je n'ai déjà mis un. Ok. Je vais en prendre deux quand même. Y'a quoi déjà à t'apprendre? Les puits? Ouais, j'ai envie de faire des thunes, et si j'arrive à claquer tout ça là-dedans, ça sera pas mal. Non, vraiment, je suis de nuit ou pas? Le stress. Faut que je démonte niveau... Non, je veux pas qu'il stresse aujourd'hui. Je veux pas qu'il stresse, pour la bonne simple et bonne raison, que je veux qu'il... Comment dire Je veux que ce type-là soit frais pour les missions d'après, qu'il puisse pouvoir m'accompagner pour faire le donjon avec mes gars de l'équipe 2, pour faire le boss. Donc, ouais, je vais faire ça. Ça a l'air good. Allons-y, prions pour que ça marche. Sinon, moi, j'en campagne un peu de semaine pour faire ça, ce qui est un peu malencontreux. Ok, let's do it. Tu es beau, ne meurs pas. Oh, ouh, c'est grand, explorer tout. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, je suis pas obligé d'explorer chaque étoile en droit, en gauche, ça. Je peux juste commencer au nord, gauche, je descends, tac, 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 il manque 2. Il devrait être bon. Ok. Ah, oh, ça commence bien. Merci. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ouais. Comme ça. Entre là-dedans. C'est du niveau 1. C'est pas si dur. Sauf s'il m'arrive une couille comme des critiques ou des pièges ou les araignées qui me stun ou des pièges. Mais putain, mais tu vas déjà crever, t'as rien foutu encore. Bordel, c'est pire que Star Academy ce truc-là. Ils sont morts, on commence à chanter les gars. Je joue rien. Ok, bon bah. Récupérer moins de torches. Et tu vas dégâts de stress immédiat. Vous êtes des goinfres pour un point en plus. Tu crains mon vieux. Ma vieille. Pas de combat hein. Bon bah allons au sud. Pas le score 8 non plus hein. Tu as peur des monstres. Enfin, des bêtes. As-tu peur de l'IA? Ah, dirais pas. Hein. Ça, c'est... Bid résiste. Ah bah, pas mal ici, il y a pas mal de bid avec tous ces cons qui nous scènent la gueule avec Reign of the God. The God. Ah, Maggot! Attaque, Maggot! Ah! Fais la balade du destin! Ah! Ah ah ah! Look mes abdos! Look mash! Ah voilà!
Victory! Nous avons écrasé les verres! C'est con, j'aurais eu ça, je t'aurais régénéré plutôt. Mais tant pis, j'aurais pu passer un tour, mais. Non. Nous ne passons jamais le tour pour soigner. Oh oh, combat! Un billetrier? Wanda! Mais c'est le pire! Tu peux rien faire au bout! Au moins, t'es conso, toi! Oh! Bon dodge! Oh, je suis bloqué ici! Je dois attaquer! Je dois replier le soin derrière! Sinon, si je le mets ici, elle fera la même chose! C'est stupide! Qui peut mourir ici? Toi, tu signeras pas, mais. J'ai pas le choix! Buff-toi! Ouille! Pourquoi tant de haine? Ok, Dolcha, ce baston, on sait la merde. Oh mon dieu! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut vivre! On a besoin! Non, non, non! T'es pas prête du tout! Pas prête du tout! Oh! Merci Dieu! Guéris-toi! The light shall bring victory! Première ligne ou pas? J'ai pas le choix. D'ailleurs, pour juste rien faire derrière. Ok? Pas trop grave encore? Tu voyais ce tatou? Splendide? Ok. Un bonnet jab! Pas trop grave. 11 points. C'est la battre avec un Hue. Ok. Survie! Je t'aimais presque! Putain, ils sont costauds ceux-là! Qu'est-ce qu'il a fait pour attiser ma haine? Chante la musique du désespoir! On va tous mourir! Oh! Dans tes dents! Dans tes dents! Bon, les gars! Vous êtes de la merde! Vous êtes fait surprendre! Il a failli rester. Ouvre. Oui, de la bouffe, mais pas grave. Ok, faire attention à ce qui se passe maintenant. Ok, les gars, plus de surprise. Des magottes. Hiya, côté. Non, pas de stun. Pas de stress. Vous êtes faible. Non, c'est pour rire. Non, je veux heal. Ok, sans tout le monde pour l'instant, tu peux le faire. Slice off. Un qui bleed, un qui meurt. Hiya. 6 points, ça pue, mais... T'as eu le kill? Non. Ah. J'aime ça. Pas de crit, des dodge, et tout ce qu'on veut ici. Mais foutez-lui la paix. Ah, il est pas stun? Si, il était stun. Ouille! Ok, moins de stress au moins. Là, je vais une fois au moins. Ok, ça suffira. Non! Ok, ah bon. Dans ta gueule! En plus, c'est l'effet brisé. Et ils m'ont rien filé, c'est con! Saleté! Ça que j'aime pas les vers! Quand vous les coupez, ils se multiplient! C'est impossible à tuer! Vas-y, t'as de la chance! Malheureusement, c'est tout à l'heure, hein, mais. Je pourrais camper ici, ou dans ce coin-là. Ah! Voilà ce que je voulais! Ici, il y a un truc avec un. Un piège à con, hein. Pas de combat. Donc, comment je vais faire mon layout, moi? Bah. Gauche sur deux cases, ou je pourrais retourner à droite, petite gauche et haut. Ouais. Je fais un peu backtracking, mais c'est pas si dégueulasse au stade où ça en est. Loot! Oh, déjà loot! Pas de bandit, j'espère. Il n'y en a pas ici, mais.
Rien à voir. Je veux au moins un gros combat pour être sûr de me reposer avant. Comme mon gestal, il peut guérir beaucoup de stress. Ce serait intéressant. Oui, bah bouffe, hein, grognasse. Le sac appartient. Ouais, bah. Pouf. Cette run m'apporte aucune gloire, aucune richesse. Plus des dégâts dans la gueule et du stress. Match is struck. A blazing star is born. Pas de combat. Ok. On va se reposer dans cette salle-là, j'imagine. Lis. Ne lis plus jamais de ta vie. Il y a des hentai sûrement là-dedans, hein. Ça corrompt ton esprit. 47 de stress, hein. C'est beaucoup, hein. Ah, combat. Oh mon dieu, le stress. Ok, attaque. Oh shit. Non. Dodge. Il fonce devant. Adris, non, tu peux résister. Tu peux dodge aussi, c'est parfait. La balade. Non. Non, tente pas, la balade est bien, la balade. 19. Beaucoup, hein. Ok. Tente le diable, mais le diable t'a corrompu la nouille. Et c'est le stun. Ok, c'est déjà ça. Oui. J'aime bien quand ça fait ça. Ok. Non. Pas le gobelet. It burns. Non merci. Ah, ta gueule. Put. Ok, un petit coup de soin. Pas de mal. Ils sont plus très... Oh, il y a un humain ici, hein. Je vais essayer de le bleed. Pour 2 points, c'est ça. Tu es mort. Tu es mort comme une merde. Tu vas bleed comme un sagan. Les buffs se cumulent, au cas où. Un coup de bouclier. M'en fous. Oh, je m'en fous pas. Enfin, c'est diabolique. Non. Oh, putain. Oh. Ha. Forget. Perhaps the turning point. Remets-toi ici. Retente le stun. Parfait. Je perds un tour, mais pas grave. Beaucoup de dodge, hein. Ok, lui ça va encore, il a pas grand chose. Il va prendre cher, environ 15. Je pensais plutôt à 20, mais 9 points. Ok. C'est de le finir. Mais tu pues! Punis-le, toi! Régénère-toi si en passant. Oh, j'ai oublié que l'avait ça aussi! Ouais. Tiens! Dans tes dents, dans ton crâne, dead weight. Ok, bon dodge. La foi te guide! La foi te guide! Vers une mort certaine! Plein de merde! Hurrah! C'est verrouillé! Non, c'est verrouillé avec une clé! Pas avec de l'herbe! Et on va se reposer parce que on va tous mourir. Bien. Self only? Non. Toi, tu as quoi? Tous les compagnons et les 16 à 15. Je me fous de ta gueule. Pas très grave. Je fais ça après. Ah, tout le monde sauf toi. C'est con ça. Tiens. Courage, buddy. On va s'en tirer. Je peux soigner quelqu'un? Combien il me reste, moi? 3. Petit buff. Ça pourrait aider de beaucoup mon lépreux. J'ai ça aussi, on dit mon sens de 20, je mourrai du coup à 0. Ouais, faisons ça. Il y a encore 2, mais pas un souci. Précision plus 10. Dormons, espérons qu'on ne soit pas attaqué dans les fions. Je veux rester cette mission-là correctement. Mais non, tu iras bien. Ok, parfait. Bon. À présent, pas de combat. Ah, un truc ici à flinguer.
Ça va nous guider par un seul combat plus tard, donc pas trop chiant encore. Ok. Je n'ai rien pour l'ouvrir. Non, ne l'ouvrez pas. C'est piégé. Et voilà. Connasse. J'ai pas de bandage, moi. Eh ben, saigne. Vite tes tripes. T'apprendras à faire le con. M'en fous que tu te tresses. Mais non, hold up pas, avance. Y'a rien à craindre. Alors. Je pense que je peux finir en haut directement. Oh, parfait. Holy water, ouais. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and quelques thunes. N'était pas le cas, bah, on devra faire un peu demi-tour, mais pas de soucis. Je crois. Seems bent on preventing passage. Théoriquement, celui-ci c'est mon dernier théoriquement. Ou mon dernier. Non, c'est un dernier à la fin théoriquement, il me semble. Ouais. Yep. Ouais, voilà, combat j'imagine. Yeah, combat. Ok. Et le trésor aussi, donc c'est bon. Confessionnal. Oh non! Non! Sale pute! J'aurais pu virer tout mon stress sur mon jester! Tiens, tu veux être pourri? Mais lis, tiens! Lis! Lis, abruti! Ah, fais chier. Oh. Un peu, hein. Ok, combien de temps je pourrais être sûr, certain? Et allons-y, parce que cet abruti m'a passé un moment vraiment énorme. Encore un coffre, vous voyez qu'elle est piégée, mais. Le combat est pas compliqué. Lui me stresse. Ah, mais il est tout neuf celui-là. En l'occurrence, celui-là, non. Donc, c'est pas chiant. Ouais, danse, parce que. Ouais, il va juste pouvoir me stabber, donc c'est pas. Pas très très ennuyeux. Hop là, disparaît de ma vue. Ça sert à rien, mais bon. Je pourrais pas le suivre de toute manière en un seul coup, donc. Knife in the dark. Ça coupe. Ça tranche. Ça pique. Bon, ça crève. Ou dodge. Je sais pas. Quoi qu'il en soit. Vire un peu. Pendant que mon élion peut te défaire. Ouais, enfin. Quand elle peut. Non, pas de critique, sinon, moi je te bute. Bon, bah si, un crit. Eh bah, ça marche bien. Yep, parfait ça. On peut l'ouvrir avec une pelle si vous n'avez pas de clé. Ça bousille la moitié du stuff. Mais mieux voir la moitié que rien, non? C'est mieux que rien. J'aurais peut-être pu l'ouvrir et avoir un truc sans cliquer la pelle. Mais c'était risqué. Et dans le doute, au moins, maintenant, c'est sûr. Ok. Je continue quand même. Ouais. Bon. Ok. Niveau 2, 2, 2. C'est bon. On peut faire le boss. Ça y est, Raven Holy qui est plutôt bon. Costaud, 10% de PV, qui a déjà beaucoup de points de vie. Shocker, ça me résiste. Et. Ok. Et bah, ça va encore. Ça va encore. Bon, on a un question comme un fou, mais. Pas trop grave. Something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Espoir. Peut-être. Ok. Bien. Nous avons donc un boss. Je vais donc devoir prendre Daz, je vais donc prendre Elfia, je vais devoir prendre mon lépreux, et je vais devoir prendre aussi un heal. Et malheureusement, je dois prendre cette fille qui ne peut pas rester à tout et n'importe quoi. Donc, juste pour le heal. Principalement pour le heal. Oh, tant que je pense à ça, où est-ce que c'est? Tiens. Plus de blight, j'ai moins de soins que je reçois, j'ai moins de points de vie, mais si je reste en vie, j'ai pas de soucis à me faire. Normalement, non? On devrait être bon. Ok, maintenant faut s'équiper. Le combat fait rage et je veux partir en me disant que tout le monde ne mourra pas. Tout le monde est prêt? Yep. Yep. Niveau skill.
Quelque 1% en plus. Ça fait une grosse différence, mais je vais prendre principalement mes trucs pour pouvoir éviter de me prendre trop cher. Et tu vas prendre le soin quand tu es là, principalement uniquement dans ce but. Le monde après il est bon. La marque hypocrite plus. Et le... j'aime bien le grab, mais... Mais... faut quand même le prendre parce que bon... Juste parce que... Ok. À présent. Toi, tu vas devoir... te reposer. As-tu un truc dégueulasse à la gueule? Non. Bon, eh bah... T'as quand même beaucoup, hein. Va te faire flageller. Va te faire du bien, tiens. Oh, j'aurais pu mettre ça aussi là-dedans, hein. Voilà, au moins on est sûr avec ça. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je ne sais plus. Le boss? Oh. Ah, oh, j'ai mon boss niveau 2 maintenant, on est comme ancien. À mon avis, il a pas invoqué des bons trucs lui, hein. Donc, de toute façon, j'ai rien à récupérer. Allons ici. Bien, il me faut donc mon lépreux. Il me faut mon Bounty Hunter, il me faut elle parce que bah, je l'aime bien. Et il faut aussi, bien sûr, le truc là. Donc, c'est un boss. Le boss, bien sûr, le placer le plus loin possible de la carte. Je sais pas de quoi il s'agit, mais j'avais analysé ça de manière correcte. Et pour l'instant, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait quand j'ai combattu, c'était plutôt bon. Donc espérons qu'on ne fasse pas une erreur qui me coûtera bah, la vie, parce que j'ai envie de crever, moi. Est-ce qu'ils sont corrects? T'as une précision toute pourrie, hein, mais t'as beaucoup de points de vie, ce qui pourrait m'aider. Range, ouais. J'ai pas du monde à virer, moi, des trucs pourris ici? Je pourrais virer toi. Ouais, ça va encore, ça. Si, il y en avait un qui avait des trucs pourris. Faut que je vire ça avant. Ok. Sanatorium. Alors. Stress Regis, il faudrait que je vire ça un de ces quatre. Non. Non. Et... Ah mais non, les chances de perdre de l'argent, c'est super. Ouais... Les moins de speed me font quand même beaucoup chier. Ça me sert absolument à rien, ça, mais... Ouais... Mais qui avait un truc tout à l'heure, alors, quoi? C'est toi? Il y en a un qui avait moins 50% à quelque chose. C'était qui? Ah, on se souvient pas du tout, hein. Bon, verrons déjà ce qu'on sait. Tu vois, on va sûrement virer un de tes trucs. Dark Arts. Ah, virons ton speed. Ton speed est chiant. Ah, qui avait eu les moins 50% de résistance, quoi? On va virer le nerveux Pavel, quoi. C'est quand même mon leader du groupe, et je m'en veux qu'il soit quand même moins stressé à chaque fois. Donc, hop là. Ok, embarquons maintenant, les amis. Embarquons, les dés. Ne faites pas les réticents. C'est un boss, mais si on prépare bien, il n'y aura aucun souci à se faire. Enfin, espérons-le. C'est que c'est assez random, mais... Ok, embarquons donc. Medium. Nous sommes donc dans les Warrens. Dans, enfin, dans les trucs avec le cochon. Ok. Un médium. Pas besoin de beaucoup de bouffe. À moins qu'on soit beaucoup blessé. Je ne sais pas ce qui m'attend, donc c'est ça qui me fait le plus peur pour l'instant. Ok. Allez, Wata. Nous ne sommes jamais à court d'eau bénite. Si je tombe sur un de ces hôtels. Non, il y a quoi ici à faire avec l'eau bénite? Les crânes. Ça m'a pas beaucoup aidé pour l'instant. Non. Faut pas que ce soit vraiment nécessaire ici.
dose de bouffe. Ou alors je prends plus pour pouvoir avoir un repas copieux. Mais j'ai aussi ça, pour que si je suis en route, on prend 4 de plus. Enfin, un bon repas pour être soigné et déstressé avant de faire le combat avec le boss. Une seule pelle. Le niveau est court. Mais trop dangereux dans le combat, trop blessé. Un bandage. Il y a du bleed. Y a du blight. C'est un boss, je vais être sûr de ne pas me planter. Allons-y. Oh, il est gros. Difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Il y en a un gros et un petit, c'est ce que je vois pour le boss. Donc, soit le boss crée des petits, soit le boss fait 3 cases et on a un petit, soit le boss fait 2 cases et peut créer plusieurs petits. Je pense. En ce qui est genre. Il dirait Rambo le petit. Il est mignon. Ouais, c'est vraiment une grosse pute. On va le mettre à la gueule, sans genre rien. Alors. Il doit être en bas à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il doit être en bas à droite. Je vais être directement en bas et directement switcher à droite. La partie les enfants. Oh, already loot. Ne stresse pas toi, c'est la... Mais arrêtez de pas commencer le donjon encore. Oh putain. Register oblid. OK. Bon. Unsprung and thirsting for blood. Une table, bien pour la bouffe. Ça par contre pas bien ça. Yo! Vomi. Oi! Ouh. Oh là le stress. Ok, j'ai bleed. Oh non, résister. Il va debuff ma Plague Doctor. Marqué. Qui peut l'avoir derrière? Cela, non, c'est 2 cases je crois. Toi tu peux l'avoir et ça. Mais là j'ai pas le choix. Faut que je l'installe en priorité. Ça bleed, c'est chiant. Le stress peut le virer. Rain of the World God. Oh, bien joué. J'ai pas vu lequel me va attaquer. Qui pourrait stun dans le coin? Non, va pour le kill. Je vais le buter, t'es sûr qu'il crève. Les blight 50%. Yep, tant pis, tente. J'ai beaucoup de chance de blight. Pour 4, c'est énorme 4. Tu veux le debuff, hein? Tu veux le debuff? Encore marqué. Ok, 6, il crève. Blight x 2. Fait 8 points, c'est énorme. C'est cool, ça marche. Ça marche bien, c'est un coup dans ta gueule. Parfait. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ok. Au moins, on manquera pas de bouffe. The stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ok. Alors. Oh non, pas des bandits. Pas surprise. Mais putain. Ma fille est useless ici. Ou j'en grappe un ici. Si je grabe, il pourra pas tirer son coup à distance. Yep. Neuf. On a voir un. Ouais, slash and dice, bien sûr. Oh, ma healeuse, elle pourra rien faire ici. Oh, les AOE. Ouais, bien sûr. Bon dodge. Un peu derrière, tu pourrais régénérer un peu ou en terminer un pour que mon gars puisse en tuer chez deux d'un coup avec Hugh. Encore. Oh. Soigne pour 3, bien joué. Vous m'aurez pas, bande de tâches. Tiens. Prends cette hache dans la gueule, multimédia. 4, si c'est si Blight, il meurt. Ha! Tu es faible! Ouh, encore un! Ok. Ça a été encore, ça a été. Mais. Ça aurait pu mal tourner, vraiment mal tourner. Non! Bon, la chance.
Mais tu pues! Il y a beaucoup pensé à quelqu'un. Pas de combat? Ah! C'est une seule case? Ouais, est-ce que t'es pas assez puissant? Allons-y. Ça allait vite au moins. Ok, ça je peux m'en servir pour virer un trait dégueulasse de mes compagnons. Lesquels me sont les plus importants pour l'instant? Ces trois-là. Ça sortira toujours des 10% de dégâts en moins. Ça sera rarement mort, vraiment. Ça je m'en fous. Et. Tu n'as pas de truc pourri. Vire-en un. Ah, j'ai viré le zéophobia. Je crois que c'est la peur des bêtes, ça. Je pense. Je pense que oui. Allons-y. Et au moins, elle l'a pas fouillé. Elle l'aurait fouillé. Je l'aurais tabassé. Je l'aurais viré de mon groupe. Mangeons. Tout va bien, mais il sait ce qui peut arriver. Il faudrait un scout. Ce serait parfait. Je pense que le boss est à la ligne de droite. Mais non, il n'y a pas de scout. Hein. Et bah, tentons, les amis. Tentons. A spark without kindling is a goal without hope. Parfait. Bien, on va se buffer ici. Le gros, il est spécialement 2 ou 3 cases. Ça pourrait faire des dégâts monstrueux dessus. Je vais le prendre à coup sûr. Ok. Plus de précision, les hommes pour toucher les cibles. Ça, c'est mon main DPS quand même. Même si toi, tu fais quand même du bon boulot. Blight, Bleed, Resist, compagnie. Des précisions, 10 de dodge. Je vais mettre sur mon Bounty Hunter. Pour éviter qu'il prenne un coup. Il a le lépreux, esquivé. Il a très peu de chance. Le Bounty Hunter, lui, en collance, oui, il peut esquiver. Donc, c'est ça. C'est pour que c'est pas si mal que ça. Non. Dégâts, 25% sur les gros. Ça pourrait être parfait sur ça, justement. Caler un bon coup de 30 dégâts en critique ou plus encore, ce serait cool. Que le reste? Les gars sont soignés. Le stress est plutôt bon, donc on va faire ça. Non, pas besoin. Pas besoin. Maintenant, si on pouvait se barrer ici, sans combat, ce serait parfait. Je tombe sur le boss, on verra comment ça se passe. Un gros et un petit. Si le petit a pas beaucoup de points de vie, il y a un problème quelque part. Merde! Pas de bandits, pas de trucs chiants qui. Munch munch et. L'épreuve useless. Et toi aussi maintenant. Oh, fallait au moins tuer un. T'avais une grosse poule, 7 à 12. Ok. Je vais te debuff. Marqué. Attaquez pas ça. Munch. Bon dodge. Première ligne. Munch aussi. Si je blight, je peux toujours prendre un petit bonhomme. C'est ce que je vais faire. Ok. Finis-en au moins. Oh. Ouais. Faut que je vire ça. Oui. 2 points. Blight x 2. Il a pas attaqué celui-là encore. Pas de débat sur la gueule. Très parfait. Et tiens, poison! These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ouais, ils ont été beaten. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made. J'avoue, j'ai quand même le cœur qui bat à fond. J'ai peur de ce qui va se passer. Mais putain, allez vous faire mettre au garbage! Tiens, moins de stress. Ouais, vomi. Oh non! T'es une seule pute! J'hésitais à heal. Ça passe à grand chose. Oh, résistez bien, foiré, hein? Pute. On y est un peu. On se fait attaquer. Tiens. Dis bonjour. Rack of Blade? J'ai plein de bandages, moi. Il y a plein de bouffe. Ok. Si le boss est ici. Ok. Voyons voir. Non. Oh, si.
End this one. Ok, voyons voir. Pas beaucoup de points de vie, hein. Ils feront 3 cases. On les prend, on n'a pas le choix. On touche à 90. C'est correct. Voyons voir. Peut-être que le petit marque le petit. Et du coup, le petit attaque, le gros attaque celui qui a été marqué. Ce serait logique. Par contre, je prends un critique dans la gueule. Si je prends un critique, cette fille est morte. Mais si je prends le petit, est-ce que lui est assez con pour attaquer. Il a pas d'orbite. Il est aveugle. Je vois ce qu'il va faire. Je vois ce qu'il fait. S'il l'attaque, c'est qu'il suit ses ordres. Et au moins, je sais ce qu'il fait. Je pourrais flinguer le petit aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de fou, lui aussi. Ok. Je peux cumuler le blight, c'est bien. Et si je change de position, est-ce qu'il peut attaquer ici? Je ne sais pas qui peut viser, lui. Soigner à fond pour être sûr qu'elle ne meurt pas. Voyons voir. Ok, c'est ça. Oh, bon dodge. Ok. Ok. Il est très lent, zéro speed. Je peux toujours bouger avant lui. Ok. Donc lui, marque. C'est pas si chiant. Lui, DPS. Là, il va sans m'attaquer les deux d'un coup. Je vais essayer de bouger mon Bounty Hunter derrière. S'il peut toucher uniquement celui qui a marqué, est-ce qu'il va toucher une au hasard? Ou alors toucher aussi ma fille? Il vaut mieux que je sache ça en mode normal, pour pas galérer en difficulté au-dessus. Bon crit. Je vais bouger de place, pour voir. Oui. Ok, pas de crit au moins. Et il est plus marqué. Mais lui encore, oui. Oh! Ok. Je veux voir ce qui se passe si... Je dégage le petit en premier. Parce que là, je vois ce qu'il fait à l'avance. Je sais qu'il attaque ici. Et là, quand c'est marqué, donc moi, c'est bien plus simple que ça. Maintenant, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si j'attaque le petit derrière aussi? Je veux voir ce que c'est. Espérons qu'il me tue pas. Oh! Ok! Oh mon dieu! Faut pas attaquer le petit alors, hein! Il me fait un coup qui me fait stun sur tout le monde, laisse ma clé en rester! Et des dégâts monstrueux! Ouais, bah fuck it, hein! Quoi? Oh! Mais tu fermes ta gueule, cochon! As victories mount, so too will resistance. Alors, tu as quoi toi? Blight skill, moins de points de vie. Et l'autre c'est... Blight resist, blight skill, moins 8 de dodge. Les soins reçus, c'est pas si chiant. Mais dodge moins 8, c'est assez énorme. 15, 8. Non, je vais regarder ça. Perdre un peu de points de vie, genre 3 contre une chance de me prendre des dégâts à la mort dans la gueule. Quasiment x2, les gens activés. C'est la merde. Je vais regarder ça. Stun resist, 4 dodge. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, faut que je verse ça de toute manière. Je l'ai pas dans mon inventaire. Donc, Ok, bah au final. C'est pas si dur si on sait ce qu'on fait. Donc, analyser le combat, ça m'a vraiment aidé. Donc, c'était cool. Ok.
Donc attaquer le petit? Non. Au moins on va se kiffer. Le groupe attaque encore une cible ou deux. Je pense que si les deux mecs qui sont marqués, il peut lancer un coup qui attaque les deux cibles de devant. Donc au moins en esquivant ça, bah il peut se uniquement une cible. Et si elle est blessée ou voire sur le point de mourir, je peux la régénérer. Sauf si autant fourré, il le remarque juste derrière pour faire un point de dégâts. Et là il pourrait me le tuer. Donc Oh, pas besoin. Parfait alors, ouvre-le. Encore une tentacule d'Eldritch. Ok. Ah, j'ai moins 12 de dodge avec ça. Je pourrais me casser ou continuer. Et vu que pour l'instant on se tape pas trop mal, on peut monter vite fait pour grappiller quelques trucs. Il y a un combat ici, avec un trésor encore en haut. On va essayer de les prendre parce que j'ai fait un run et je veux qu'ils soient quand même à moitié rentables. Enfin, à moitié, une bonne dose rentable. Hop là, pas de soucis là-dessus. On récupère une torche, problème. On peut stresser un peu là-dessus, mais ça va le faire. Au cas où pour le chemin. Et. Ah, t'as aucun dodge, ça fait vraiment chier. Mais. Voilà. Bien un peu de place, tout le monde est bien équipé, bien se passer. Let's go! J'ai encore un gantelet aussi. Je veux flinguer celui-ci. Parfait. Très peu de points de vie. J'ai vu qu'il connaît très fort. Le vomi, la fourmi, bah, l'homme cochon, un de son coup. Et je vais chop celui-ci. J'ai pas réussi à l'avoir, mais. Non, pas à temps. Hein. Ha! J'ai du dodge maintenant! T'as eu dans le cul, mon gars! Batcha knife, je pourrais bleed. Mais j'ai plein de pansements. Je vais le bleed d'ailleurs actuellement. Hein. Je vais aussi également te le retirer ce que je peux. Tu ne saignes plus maintenant. Tiens! Bouffe la foudre! 4 points, il peut blight. Ok. Encore! Il m'aime bien! Ah putain, ça marche encore, hein! Ça marche encore! Yo Maron! Tiens! Gros sac! Il va être crevé quand même! Papy toilette! Chop! Finish! Oh shit! Otherworldly corruption. Oh, ok. Dans les camps, je régénère plus mon stress, mais j'ai beaucoup moins de choses au scout. Pas forcément ici, en général. Et 20% c'est plutôt énorme, donc pour l'instant je le mets parce que je m'en fous, j'ai déjà scouté ce qu'il y avait devant et ce qui m'intéressait. Mais j'ai plus de... Ok. On peut l'ouvrir alors. Contient m'appartient. Le contient m'appartient. The content is mine. Un sac. Nous sommes des bandits ici peut-être. Bandits de grand chemin. Non, cultiste. Amène-le sur un beau crit en plus. Beaucoup de dodge, mais je vais peut-être voir celui qui est derrière aussi. Bon bah. Ok. Oui, fais-moi saigner, j'aime ça. Je m'en fous. Oh, la peste marche plutôt bien. Waouh, wow, j'ai aucun essence sur ce bleed, moi, hein, apparemment. C'est de le stun? Non. Pas grave. Chop lot ou death. Death welcomes you. Shit. T'as combien de essence bleed, toi? Waouh, ok, 30. Bah ça pue. Ça pue, je vais te le dire. Ok, donc c'est bien d'avoir du coup toi derrière pour me retirer le bide. Ou alors me travailler avec des bandages quand je me travaille dans le monde. Mais ok, bien. Y'a quoi ici du coup? Est-ce qu'il y a pas mal de Venom? Non, y'en a pas. Pelle, je garde, je crois qu'il y en a encore une dans le coin. The match is struck. Vu qu'il me reste qu'un seul combat, je peux le faire. Enfin, ça va le faire. L'intérêt, ça va le chier sinon. Tout le monde est prêt?
4 de bouffe au chaos si je me fais un pépin. Do it! Petit coffre, cultiste, stress. Ouais. Ow. Les os de poulet, ma faiblesse. Hop là, pas de bleed au moins. Ah. Et grab ce gros pouillot au fond là avec sa batterie. Hey, va faire la batterie ici. Non mais c'était pour rien, hein. Fumier. Il a marqué qui pourrait me toucher au fond. Celui-là qui est là. Tiens. Sois Blight. Oh. Oi. J'oubliais ça actuellement, hein. 4-4. Il restera 2 points de vie encore. Hein. Dites bonjour à papa. Homme cochon. Ok, remis sur moi. Oh, c'est bon. Celui-là au bout, il crève. Prochain tour. Tiens. Essaye de stun. Une chance sur deux environ. Non, pas foiré. Welcome to the Bleed House! Single strike. Alléluia! Tiens! Et tu meurs maintenant! Tentons le critique! Crit mode 6%! Ah, bon bah. Je vais tenter. Crit mode 2%, 7. Go! Parfait. Et une pelle! Parfait! Tant pis. Et on va se casser après ici! Ah! Bon, bah, au moins, y'a pas de soucis! Et ça a l'air good! Fuyons! C'est pas mal! Fait beaucoup d'achats, mais bon! Niveau 3, niveau 3! Yeah! Bienvenue dans le camp! On a quoi ici? Oh, énorme! Excellent! You garbage! Ça passe encore, ça passe encore. C'est de la merde quand même, ça fait chier. Pourquoi c'est toujours eux qu'on... Hey, je voulais 3 de fées! C'est cool! Ok, il me reste les modes niveau 2 et niveau 3 qui vont certainement être bien plus chiants. Et ceux-là, autant de niveau 5 personnages. Parfait! J'ai viré le nerveux et le slow réflexe de Taka. Maintenant que ces gars sont plutôt... plutôt bons, ils pourront commencer à leur filer des noms pour qu'ils arrêtent de mourir de manière totalement débile. Pourquoi t'es encore là-bas, toi? Casse-toi d'ici. Il t'a se reposer. Bien. Dois-je virer un truc ici? Non. C'est tentant, hein. Ok. Arrêtons-nous ici, je ferai le plan de mon côté. Où est-ce qu'on pourrait embarquer alors? J'ai mon boss numéro 2 à faire. Donc niveau 4, ça va être l'occasion de le faire. Parce que sinon après, bah niveau 5, je pourrais plus y avoir accès. Oh, je peux quand même faire celui-ci aussi encore une fois. Hein, avec mon équipe de vétérans. c'est risqué. Hein. Mais je suis niveau 4. Une fois que j'aurai acheté tous mes skills et toutes mes armures niveau 4, j'aurai aucun souci à le faire. Enfin, aucun problème vraiment pour faire, on va dire. Pas d'objet? C'est quoi ça? Dégâts en plus? Non. Non. Non, je pourrais faire un combat à la con avec mes gars à niveau 1 pour les monter de niveau, histoire de plus puissant. Même si celui-ci est quasiment niveau 3, donc il pourra plus avoir accès à ça, ce qui est chiant, mais bon. J'ai encore mes gars ici, ils sont 4, donc ils pourront toujours jouer sans lui en mettant mon élion en priorité. Donc, ouais. Le temps que lui soit niveau 3 pour pouvoir jouer ensemble avec les camarades. Non, je crois que oui. Hein. Bon, on fera ça sûrement. On fera ça. En plus, j'arrive pas à Deeds, ce qui est correct. Donc, parfait. Ouais. Je remets course North Screen parce que pour pas trop vous faire chier, vous expliquer un petit peu comment ça t'attend à ta gauche. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Et je te souhaite une bonne journée. Ciao.